Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Jules Barbey d'Aurevilly. Il s'agit d'un écrivain français du 19e siècle qui est assez peu lu aujourd'hui, malgré le fait qu'il a écrit des romans fort intéressants. Ça a d'ailleurs été mis en recueil aux éditions Quarto, donc l'ensemble de ses romans. C'est une très belle édition. Si vous allez dans l'introduction, il y a des inédits de Léon Blois, il y a des dessins de François Coppée, il y a des gravures qui ont été faites de Lord Byron. C'est vraiment très beau. Alors, Jules Barbey d'Aurevilly est essentiellement un romancier et un polémiste. Il a comme les deux chapeaux. Il est entré en littérature. Le premier texte qu'il va publier et qui va faire du bruit, c'est son texte sur Georges Brummel, qui est un essai sur le dandysme. Donc, qu'est-ce que le dandysme? Et il va prendre la figure de Georges Brummel comme étant le suprême dandy. On pourrait dire que Barbey d'Aurevilly est celui qui a amené en France l'esprit dandy. D'ailleurs, dans son livre sur Georges Brummel, il va dire que c'est quelque chose d'essentiellement anglais, le dandysme. Mais Barbey d'Aurevilly a vécu et s'est habillé et a agi comme un dandy. D'ailleurs, dans le texte sur Georges Brummel, il prend soin de pointer que c'est pas seulement la mode qui fait le dandysme. Je vais vous lire un extrait. Les esprits qui ne voient les choses que par leur plus petit côté ont imaginé que le dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure. Très certainement, c'est cela aussi, mais c'est bien davantage. Le dandysme est toute une manière d'être, et l'on n'est pas que par le côté matériel visible. C'est une manière d'être entièrement composée de nuances, comme il arrive toujours dans les sociétés très vieilles et très civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui. Alors, vous voyez aussi, pour ce qui est du style, c'est un style de dandy. Malheureusement pour Barbey d'Aurevilly, il n'est pas à une époque qui est à court d'innovation littéraire, hein. Il est contemporain à Charles Baudelaire, Victor Hugo, Balzac, Rimbaud, il va tous les voir passer. Donc, on peut pas dire que sa plume ressort du lot. C'est une plume un peu ampoulée. Mais quand on lit ses romans, il y a un plaisir dans ce style-là, lorsqu'on s'y habitue, mais surtout dans les noms propres. Parce que idéologiquement, c'est quelqu'un qui est catholique et monarchiste. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ces noms de personnages qui vont être des noms de comtes, de vicomtes. Donc, il va y avoir toujours des tournures. Je vous donne quelques-uns de mes noms préférés. Nous avons Ermengarde de Polastron dans Une vieille maîtresse. On a Néel de Néou qui est dans Un prêtre marié. On a Sainte de Touffe de Lys qui, elle, se trouve dans Le Chevalier des Touches. S'il y a des Siliniens parmi vous, un roman comme Le Chevalier des Touches ne peut faire que sourire. Ces romans sont pas de purs chefs-d'œuvre. On n'est pas dans une espèce de fresque immense à la Balzac ou même à la Zola. Puis on n'est pas non plus dans l'avant-gardisme qui va arriver à partir de Proust. Mais
Il y a quelque chose de fort agréable dans les romans de Barbé d'Aurevilly, un peu comme avec le dandysme. Il va amener le goût anglais dans la littérature. Et c'est quelque chose qu'il va partager avec Baudelaire. Il faut savoir que les deux vont avoir une relation d'amitié. D'ailleurs, Barbé d'Aurevilly, qui pratique la critique littéraire et le journalisme, va être un des rares à ne pas attaquer les Fleurs du Mal lorsqu'elles vont sortir. Il va écrire un article où il défend les Fleurs du Mal. Malheureusement, comme il écrit dans un journal catholique, ce journal-là va censurer l'article. Mais l'article va être déposé lors du procès de Baudelaire dans le dossier de la défense. Donc, on a encore l'article. D'ailleurs, l'article est dans l'introduction du recueil que je vous ai montré. Donc, si vous voulez aller le lire, c'est disponible. Alors, avec lui, il partage ce goût pour une espèce de gothisme anglais. Baudelaire va aller le chercher beaucoup chez Edgar Poe, qui va traduire. Barbé d'Aurevilly aime aussi Poe, mais il va aimer énormément les romans de Walter Scott et l'ambiance qu'on va retrouver dans ces espèces de romans d'aventure qui se passent dans la nature. Et il va un peu métamorphoser et mythifier la Normandie d'où il vient et va lui donner un côté fantastique, comme on retrouve d'ailleurs dans les romans anglais. Je vais vous lire une simple description qu'il fait, puis ça va vous donner le ton. Ça se trouve dans le roman L'Ensorcelé. Donc le roman L'Ensorcelé qui raconte la fascination d'une femme qui est mariée malgré elle à un républicain pour un prêtre qui a délaissé la prêtrise pour devenir chouan. Donc les chouans qui sont les espèces de milices monarchistes anti-révolutionnaires. Donc ce prêtre fait partie des chouans. Et il va revenir une fois que les batailles vont être terminées pour reprendre sa posture de prêtre. Et en donnant la messe, il y a quelqu'un qui va entrer dans l'église et qui va le tuer. Et depuis, il revient comme un espèce de fantôme finir la messe qu'il n'a pas pu dire. Et là, pour mettre cette espèce d'ambiance de récit de fantôme, Barbé d'Aurevilly écrit « C'était cette double poésie de l'inculture du sol et de l'ignorance de ceux qui la hantaient qu'on retrouvait encore, il y a quelques années, dans la sauvage et fameuse lande de l'Essai. Ceux qui y sont passés, alors, pourraient l'attester. Placé entre La Haye du Puy et Coutances, ce désert normand où l'on ne rencontrait ni arbre, ni maison, ni haie, ni trace d'homme ou de bête, que celle du passant ou du troupeau du matin dans la poussière, s'il faisait sec, ou dans l'argile détrempée du sentier, s'il avait plu, déployait une grandeur de solitude et de tristesse désolée qui n'était pas facile d'oublier. » Si vous avez aimé un roman comme Le Moine de Louis, je vous conseille d'aller lire Jules Barbé d'Aurevilly, ses romans. C'est vraiment agréable. Si jamais vous n'êtes pas sûr, il existe des adaptations en film. Il y en a des très bonnes, il y en a des très mauvaises. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. J'aime beaucoup le roman Le Chevalier des Touches. Malheureusement, le téléroman qui a été fait, l'espèce de téléfilm, très mauvais. L'adaptation de la nouvelle des Diaboliques sur les dessous d'une partie de whist, très mauvais également. Ceci dit, il y a des grands cinéastes qui se sont arrêtés à Jules Barbé d'Aurevilly. Alexandre Astruc, dont j'avais adoré l'adaptation du Puy et du Pendule de Edgar Poe, a mis en film Le Rideau cramoisi, qui est une autre nouvelle du recueil Les Diaboliques. C'est tout à fait réussi.
Astruc a vraiment le don lorsque vient le temps de filmer le littéraire, c'est parfait. Plus récent, plus moderne, Catherine Breillat avait mis en film Une vieille maîtresse. Je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Je trouve que le roman est un chef-d'œuvre. Il y a des différences entre le film et le roman. Il y a des scènes qui sont dans le roman qui ne sont pas dans le film. Peu importe. Allez aux deux. Regardez le film d'abord, lisez le livre ensuite, ou lisez le livre d'abord, regardez le film ensuite. C'est comme vous voulez, mais les deux sont excellents. J'ai parlé beaucoup de son travail de romancier. Il a un travail de polémiste. Je l'ai dit, il est catholique, il est monarchiste, il est affirmé, ouvertement réactionnaire, admirateur de Joseph de Maistre. Ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être le premier grand réactionnaire, c'est-à-dire qu'en pleine ébullition de la Révolution française, il va être celui qui va redouter le changement et souhaiter un retour au passé. Donc, lorsqu'on a ce modèle du réactionnaire qui veut retourner au passé, Joseph de Maistre est celui qui a un peu fait les plans pour cette pensée-là. Barbé d'Aurevilly s'inscrit là-dedans aussi. Ceci dit, il y a un vrai plaisir à lire ces polémiques littéraires au-delà de l'idéologie. Si jamais vous n'êtes pas catholique, si jamais vous n'êtes pas réactionnaire, il y a quand même un plaisir là. Je vous donne en exemple Les 40 médaillons de l'Académie, qui est un livre où il a édité des espèces de portraits de chaque académicien de l'Académie française. Et il déteste l'Académie, il déteste les académiciens et il ne se gêne pas. Je vous en lis deux. Le premier, c'est Monsieur Cousin. Donc, M. Cousin est un académicien qu'on a à peu près tous oublié. Et selon Barbé d'Aurevilly, il y a des raisons à ça. Alors, je vous lis ce qu'il en dit. Marionnette effrénée, aux grands gestes télégraphiques, à la parole emphatique et vibrante qui met tout sans dessous-dessous à l'académie. C'est un chauffeur. Il chauffe au profit de l'orléanisme et pourrait bien un jour imprudent faire sauter la chaudière. Rappelez-vous ces cris de Pan sur les toits dans les cours de l'Institut lors de la triste élection de Lacordaire. Alors vraiment une description volontairement méchante. Et ce qui est intéressant, c'est que Cousin est aussi quelqu'un qui va défendre la monarchie. Mais Barbé d'Aurevilly se fait pas avoir par l'idéologie. Il fait pas « Ah, ben il est d'accord avec moi, donc c'est quelqu'un de bien. » Non, si c'est un insignifiant, il va dire que c'est un insignifiant, puis il va taper dessus quand même. À mon avis, là où il est le meilleur comme polémiste, c'est lorsqu'il s'attaque à des gens qu'il admire, mais dont l'étoile a pâli et qui se sont fait récupérer par le système. Alors, on peut penser à Alfred de Vigny, on peut penser à Victor Hugo. Ce que je vais vous lire, c'est une autre de ces figures qu'il aime beaucoup, c'est Sainte-Beuve. Sainte-Beuve dont on se souvient encore à cause de Marcel Proust qui a fait son contre Sainte-Beuve. Avant Proust, Barbé d'Aurevilly a fait un peu un contre Sainte-Beuve déjà. Donc je vous lis le médaillon qu'il a fait. Certes, c'est un homme d'esprit, et même, c'est ce que j'en puis dire de mieux. Je m'obstine à soutenir qu'il a eu un jour du génie malade, il est vrai, dans Joseph Delorme, mais il n'a recommencé jamais. Depuis ce jour unique dans sa vie, il a eu beaucoup de talent, noyé dans un bavardage inondant, car il a dans la plume ce prurit albumineux que M. Thiers a sur la langue. Et là, je saute parce que la conclusion de l'article vaut vraiment le détour. À l'origine, il était doué pourtant, M. Sainte-Beuve, mais il a renversé sur son imagination naturelle qu'il avait poétique
toute une chiffonnière de littérature, laquelle a tout couvert, tout englouti et tout éteint. L'esprit professeur et académique l'a envahi. Il n'a plus été alors qu'un professeur, un anecdotier, un discoureur littéraire en son privé nom, puisqu'il n'a pas cru à un absolu en vérité. Je l'ai gardé pour le dernier de ses médaillons comme un salutaire exemple. Il est bon que la jeunesse prenne le dégoût des académies et de leur esprit en voyant comme elle ratatine le talent des hommes de talent. C'est à la fois violent et juste, ce qui est tout ce qu'on souhaite chez un polémiste. Dans l'histoire littéraire française, Barbé d'Aurevilly n'a pas une grande place. Il est éclipsé par ses contemporains, y compris des contemporains dont il a dit du mal. Si j'ai eu beaucoup de plaisir avec ses 40 médaillons, c'est plus difficile de lui pardonner les 37 médaillonnets sur le Parnasse contemporain. Quand la revue va sortir son premier numéro, il va s'attaquer à chacun des auteurs de cette revue-là. Le problème, c'est que parmi ceux-là, on trouve Baudelaire, on trouve Verlaine, on trouve Rimbaud, on trouve Mallarmé, et ce sont tous des écrivains qui le surpassent, et de loin. Malgré ça, il a une place. Cette place, c'est de faire virer le romantisme en passant par l'esthétique anglaise, gothique, vers ce que va devenir le symbolisme. Et il va aussi amener cette espèce de figure du catholique hors de l'institution, l'espèce de catholique solitaire qui lutte contre l'Église. Il va, à la fin de sa vie, tenir un salon chez lui auquel vont assister plusieurs jeunes auteurs, dont François Copé, entre autres, et Léon Blois. Barbé d'Aurevilly va avoir formé Léon Blois, et juste pour ça, il a tout le mérite. Il va aussi influencer des figures qui vont venir plus tard, comme Claudel, comme Bernanos, qui vont se dire que c'est possible d'être catholique sans nécessairement tomber dans les pièges du somnifère de l'Église actuelle. Tu sais, il y a une espèce de... On peut renouveler le catholisme en se le rendant personnel. Et ça va donner de très belles œuvres, de très belles plumes, de très bons pamphlets. Alors pour ça, on a une dette envers Jules Barbé d'Aurevilly, ce grand dandy.